Nous partons pour le théâtre. Maintenant, 7 ans de réflexion. Alors, on connaît bien évidemment Guillaume de Tonquédec ici présent. On sait qu'il aime bien les films américains depuis le dernier qui s'appelait La Garçonnière. C'est un film de Billy Wilder, déjà, qui avait été adapté. C'était déjà Stéphane Hillel qui avait travaillé sur la mise en scène. Stéphane nous a ouvert les portes du Théâtre de Paris, mais c'était José Paul qui a fait la mise en scène. Ah, c'était José Paul à l'époque. Alors, vous êtes resté en tout cas avec le directeur du Théâtre de Paris, Stéphane Hillel, pour vivre une deuxième aventure Billy Wilder, puisque vous connaissez peut-être le film avec Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Alors, la pièce de théâtre existait avant le film, donc on revient aux sources. Vous avez décidé de jouer à Paris, 7 ans de réflexion. C'est vous, la nouvelle Marilyn Monroe dans cette... Et il y a la scène, hein, avec la jupe... Ah. Ah, bah oui. La scène n'existait pas, évidemment, dans la pièce, puisqu'elle a été rajoutée par Billy Wilder. En fait, le code Hays aux États-Unis empêchait de faire l'apologie de l'adultère, notamment. L'homosexualité n'existait pas dans ce monde-là, c'était très puritain. Alors, on avait le droit de dire certaines choses au théâtre, mais pas à l'écran. Donc, Billy Wilder a été très frustré, il le raconte dans ses mémoires. Il dit « Je me suis fait avoir par le producteur, j'ai pas pu raconter l'histoire que je voulais. » Il a adapté avec Axel Rod, l'auteur de la pièce, et il n'a pas pu faire l'apologie de l'adultère, ni, alors que c'est le sujet principal de la pièce. Et il n'était pas fan de l'acteur, en effet, qu'on lui a imposé, que la production lui a imposé. On va regarder un teaser de ce qui se passe au Bouffe Parisien, on va mieux comprendre le sujet même de 7 ans de réflexion. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. Je sais, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais pas du tout, pas du tout. D'où elle sort? Elles sont dans les films, ces filles-là, normalement. Tu crois pas qu'elle est un peu jeune, non? Ah, vous êtes mariés? Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. Un homme marié tout seul l'été à New York, je connais. Ah, et vous avez un enfant aussi? Oui, mais il est tout petit. Ça compte pas. Si tu me trompes, je te tue. Il faut nier. Avec la plus grande figure. Elle va te flinguer. Tu crois? Non, elle comprendra. Je t'abattrai comme un chien. Faut surtout pas que je lui dise. Surtout pas. Il fait tellement chaud. Je peux retirer mes chaussures et mettre mes pieds en hauteur pour faire circuler? Mais je vous en prie, faites circuler. Toi qui es un grand philosophe, tu peux m'expliquer pourquoi il faut toujours que ce soit si compliqué? Parce que c'est comme ça. C'est compliqué. Il faut nier. Avec la plus grande vigueur. Bonjour. Bonjour. Sept ans de réflexion où comment Guillaume de Tonquédec s'interroge sur faut-il craquer ou pas après 7 ans de vie commune. On peut quand même citer Agathe Drone qui joue votre épouse dans la pièce. Elle part parce qu'il fait chaud à New York. Elle part en vacances avec les enfants et vous restez seul à la maison. Sauf qu'il y a une voisine très sexy au-dessus. Il y a une scène dangereuse d'ailleurs dans le film parce que cette voisine fait tomber une plante énorme. D'ailleurs, je me dis que chaque soir vous prenez des risques, Guillaume de Tonquédec, parce que c'est un métier dangereux. Je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui vérifie vraiment que vous êtes parti à ce moment-là? Oui. J'espère. Non, parce que faut expliquer qu'il y a un balcon, qu'il est assis sur la chaise et pile au moment où il se lève de la chaise, il y a une plante qui vient du dessus et qui s'écrase pile sur la chaise. Il échappe évidemment à cet accident et tout. Va naître de là la rencontre entre les deux personnages. Et le régisseur, chaque soir, fait la blague « Je l'ai raté !» C'est vrai? Oui. Ah ben voilà, on a les coulisses de la pièce. C'est la première fois que vous vous retrouvez l'un et l'autre sur scène. Après 2 grands succès chacun de votre côté, je l'ai dit, La Garçonnière pour vous, Le Canard à l'Orange pour vous. On vous connaît un peu moins tout à l'heure. On essaiera évidemment de faire connaissance ensemble, même si déjà au cinéma et au théâtre, vous avez eu quelques rôles intéressants. Mais quand même, jouer avec... Guillaume, on va dire le premier rôle féminin de la pièce avec Guillaume de Tonquédec, ça doit être chouette. Ah, mais c'était une très, très, très belle nouvelle, oui, quand j'ai su ça. Il y a Tonquédec, mais il y a quand même aussi le poids de Marilyn Monroe. Ça vous a effrayé ou pas? Non. Non, parce qu'elle est inimitable. C'était hors de question d'essayer de l'imiter de près ou de loin. D'ailleurs, vous êtes restée brune pour la pièce. Ah, brune, oui. Et... Non, non, bon, après... Effectivement, la référence, on ne peut pas y échapper, mais je joue le rôle, j'interprète le rôle qu'elle a joué, mais je ne joue pas Marilyn. Tonquédec, vous, ça ne vous fait plus peur de reprendre des films ou des rôles qui sont quand même des rôles cultes? C'est un hasard absolu, en fait. C'est David Gauquier qui avait acheté les droits de La Garçonnière, parce que La Garçonnière, pour le coup, est un scénario de cinéma qui est devenu une pièce pour la première fois au monde. Billy Wilder voulait que ce soit une pièce au départ, mais il dit « j'y arriverai pas à cause de la multiplicité des corps ». C'était l'inverse, en fait, La Garçonnière. C'était l'inverse. Et là il s'est emparé de cette pièce avec Axel Rod pour en faire un film. Mais c'est tellement réjouissant, tellement drôle, tellement touchant et tellement malin, le théâtre de ces années-là. Ça nous parle tellement de nous aussi aujourd'hui que... Et de la fidélité.
Et de la fidélité, ce qui est beau dans la pièce. Non, je dis ça parce que j'ai lu votre interview vous l'avez lu. Dans Gala, et je me suis dit, il est quand même gonflé. Mon public est féminin, mais je n'en profite pas. Hein. Ça, alors, on pense bien que vous n'allez pas dire le contraire à Catherine. Je crois que c'est Catherine Sellac qui vous interview. Vous n'allez pas lui dire, mon public est féminin, et c'est vrai, je trompe ma femme. Ah, j'aurais pu, pourquoi pas. Non, parce qu'on parlait de nombreuses années de vie commune pour Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Ouais. Vous-même, vous en êtes à combien? De vie commune, 32 ans. 32 ans. Vous bat un peu. Ah ouais, vous bat. 32 ans de réflexion. 32 ans de réflexion. Mais ce qu'il y a de très beau dans la pièce, c'est que justement, il accompagne tous les étés sa femme et leur fils en vacances dans un endroit où il fait plus frais, parce qu'il fait très chaud à Manhattan, ce qui est une réalité. Lui, il continue à travailler. Mais s'il s'envoyait en l'air tous les étés, ça n'aurait pas d'intérêt. Ce n'est pas du tout un coureur. Il a des tentations. C'est le fait qu'il hésite, évidemment. Mais ce qui est très, très beau, c'est qu'Axel Rod nous a mis dans la tête du gars. On voit tous ses fantasmes, toutes ses envies, toutes ses craintes. Il est comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Il essaie de se débattre avec ce qui lui arrive, c'est-à-dire que le démon lui tombe dessus. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que c'est un très, très beau personnage de femme écrit par un homme qui est une jeune femme libre, surtout à cette époque-là, et qui dit, moi, je veux choisir ma vie, mes amours, et qui est une... Et qui n'est pas séductrice. Et qui n'est pas une séductrice. Oui. Même en fait, si elle sait que c'est un homme marié, le voisin, quand même. Oui, mais justement, c'est ça qui est très beau, c'est que cette pièce, cette histoire, elle est plus maligne et plus profonde qu'il n'y paraît. C'est pas que l'histoire d'un soir. Ils vont être transformés tous les deux par ce qui va leur arriver. Quoi. Ça vous donne envie d'aller au Bouffe Parisien, Philippe Besson? Oui, moi j'adore Guillaume de Tonquédec comme acteur. Donc, pardon, je ne vous connaissais pas, donc je mets très envie Venez la découvrir. Voilà, la découvrir. Et puis oui, cette idée de jouer sur la tentation, sur la séduction, sur est-ce que je vais franchir le pas ou pas, sur l'infidélité, ça, oui, moi ça m'intéresse en tout cas. Vous aurez des questions à poser tout à l'heure, Sonia? Non, mais c'est plus intéressant de s'intéresser, je trouve, au désir, à la tentation qu'au passage à l'acte. C'est ça ce qui est formidable. Cette marche avant, arrière, on ne franchit pas la barrière, mais on flirte avec cette barrière. Mais on reste quand même à sa place. Je trouve que ça, c'est formidablement bien appréhendé. Alors, on parle bien, on dirait que... Non, je... On dirait qu'elle connaissait la pièce d'avant. Ah oui, c'est ça, non, que tu... Non, je parlais de toi, c'est pour ça. Mais que j'ai envie d'y aller.